Bon, c'est pas hyper beau, mais c'est hyper simple et trop bon. Dans un plat à gratin, versez un oignon émincé, des courgettes en dés, des gnocchis à poêler, des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Mélangez avec une cuillère, faites un creux et déposez la feta au centre. Faites cuire environ 15 à 20 minutes et vous allez voir, la feta devient fondante, vous n'avez plus qu'à mélanger et à déguster. Avec des gnocchis classiques, il faudra faire une pré-cuisson dans de l'eau bouillante. Abonnez-vous pour plus de recettes!